Combien ? 300, 400. Scarlett en a beaucoup donné aussi. Peut-être 500 auquel il faut retrancher le tri selon l'intérêt du document. Je croyais que vous aviez commencé. Oui, pour passer de plus de 1000 à 500. L'important pour le moment, c'est de dresser une maquette de premier numéro. On doit se mettre d'accord sur une qui soit suffisamment frappante. Edward Ford, oui. Nous avons retrouvé une lettre, datant de 26, adressée du gouvernement à mon père, lui demandant de suivre le mouvement médiatique qui annonçait que Ford était mort dans l'incendie qui avait détruit toutes les informations potentielles sur son réseau. Ford aurait été envoyé en Amérique du Sud, sous une fausse identité, et apparemment, il y serait toujours. Je suppose que l'incendie était volontaire. Bien évidemment. C'est un schéma classique. Ford aurait échangé sa liberté et la destruction des preuves de sa culpabilité contre tous les noms qui composaient son réseau. T'es convaincu que tu pourrais changer la face du monde en écrivant sur des banquiers et des politiciens dont tout le monde se fout. Et elle t'a répondu ? Pas encore. Je ne sais même pas si elle a déjà reçu ma lettre. Tu sais combien de millions d'années une feuille de papier met à traverser l'océan ? Arrête, tu as promis de lui écrire. Scarlett ne le dit pas, mais elle y tient beaucoup. Qu'est-ce que tu lui as raconté ? Un peu tout. L'appartement, le café, le pain, l'écrivain qu'on a rencontré, l'imprimerie, nos conversations. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait à New York. J'aurais bien aimé voir la maquette du dernier numéro. Le pauvre. C'est vrai que j'avais été assez insistante à propos des lettres. Thank you.
Parlons maintenant de votre première grande affaire, celle d'Edward Ford. Rien qu'avec Edward Ford, vous vous êtes attaqué à la mafia et aux autorités américaines. J'avoue que j'avais besoin d'une telle affaire. Il fallait que le premier numéro soit explosif. Mais où avez-vous trouvé de tels documents ? Comme je le dis dans l'avant-propos du numéro, dans les tiroirs du bureau de mon père. Que ce soit pour Edward Ford ou pour les autres cas que vous traitez, savez-vous d'où viennent les documents de votre père ? À quel point sont-ils fiables ? Nous avons nos sources. Le dossier est intéressant, mais il laisse entendre que Mrs. Gandvert Fox en aurait fait bien plus. En un mot, il est incomplet. J'avais compris l'idée. Tu dois me retrouver la source. Pardon ? Retrouve-moi la source. Je ne retrouve pas les sources à Aaron. Pour faire dans l'euphémisme, c'est violer à peu près tous les principes du revenge. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse ? Je ne vais pas publier un dossier incomplet. Tu te souviens de l'époque où tu aurais abandonné le dossier ? Où tu l'aurais publié en précisant qu'il y manque des éléments ? Où tu n'aurais pas été stupide ? Tu ne nous avais jamais parlé de cette affaire, Scarlett ? Pour vous dire qu'Aaron perdit ses principes ? C'est dommage. L'affaire Gandvert Fox est intéressante, mais pas suffisante pour faire tomber le revenge. Il se fait tard, on devrait y aller. Vas-y, je vais rester encore un peu. Non, tu dois dormir. Et moi, je dois encore aller chez Lens récupérer les journaux qui nous manquent. Et voilà, nous avons tous les journaux que Lens n'avait jamais déposés aux archives. Ce sont les derniers ? Normalement, oui. Et pourquoi cette radio ? Une émission qui parlera du revenge est prévue aujourd'hui. Vraiment ? Alan l'avait arrangé il y a quelques mois. Un coup de publicité. Toujours bon pour l'image publique. Oui, je suppose que ça vaut le coup qu'on l'écoute. On allume la radio ? Bienvenue dans votre 2 à 4. C'est Raphaël Bern qui vous parle. Nos plus fidèles auditeurs en auront entendu parler. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'histoire du Anne Bonny's Revenge, le journal new-yorkais qui fait tant parler de lui depuis quelques années. Si l'émission est prévue depuis des mois, la nouvelle est venue bouleverser son cheminement. Vous n'avez pu passer à côté. Il y a quelques jours, l'intégralité de l'équipe du Revenge a donné sa lettre de démission à Harold Williams, le rédacteur en chef.
Monsieur Adams, je suppose que ce serait le bon moment pour nous révéler ce que vous attendez du Revenge. Le suspect, c'est... insoutenable. Nous pourrions passer un accord, disons donnant-donnant. Mon parti pourrait changer d'avis sur votre sincérité, et en échange, vous pourriez nous aider à gagner quelques voix. Contre ces démocrates à qui vous ressemblez trop? Par exemple. Bien. Envoyez-moi quelque chose à publier avant vendredi, ça sera fait. Je ne désire pas m'attarder. Au revoir, monsieur Adams. En l'état, Aaron. Adams, Amy, nous n'avons qu'à dévoiler l'affaire du PSE. Mais nous étions présents, et nous avons laissé faire à Aaron tout ce qu'il voulait. Mais nous avons toutes les preuves pour prouver qu'il a délibérément menti. Mensonge dont nous sommes les complices. Nous pouvons trouver mieux, crois-moi. Continuons à chercher. De faire attendre dans le froid. Est-ce que c'est une tactique politique ou cet homme est définitivement stupide? Non, il est juste immature. Et qui, de toute façon, aurait envie de voter pour un abruti pareil? Moi, j'ai voté pour eux. Tu as quoi? Voté pour Adams. Mais quand? Qu'importe, leurs idées ne sont pas inintéressantes. Et à l'époque, je ne savais pas qu'il détournait des fonds. De toute façon, qui ne le fait pas? Beaucoup de gens. Arrête. Adams était malchanceux, c'est tout. Malchanceux d'avoir dans ses rangs de quelqu'un d'abord trop honnête. Tu le referais? Tu voterais à nouveau pour lui? Pourquoi pas? Je rêve. Tu sais quoi, Aaron? J'ai voté pour eux dès que j'ai le droit de le faire. Car oui, c'est ce qu'on appelle un droit. J'ai respecté ta transparence absolue en n'intervenant pas lors de la publication des documents. Et je suis ravi, et même fier qu'ils se battent pour leur dignité. J'avais peur que vous ne veniez pas, Aaron. Et ma présence n'a bien sûr rien à voir avec le fait que vous m'ayez donné rendez-vous. Bien. Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais que nous passions à notre problème, si cela ne vous dérange pas. Nous sommes tous d'accord, toute cette histoire est un énorme malentendu. Mais je voulais parfaitement publier vos manipulations financières et expliquer que vous détourniez l'argent destiné à vos campagnes. Madame, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je vous demande pardon. Après votre publication, vous m'avez accusé d'avoir monté les militants contre votre journal. Oui ou non?
Il a raison de t'en tenir à son opinion publique. On en a besoin. C'est elle qui nous soutient, qui nous maintient en vie, qui nous évite les procès et la censure. Tu sais qu'il est allé trop loin cette fois. Non. Non. Nous en avons discuté. Il a raison. Je me demande si des procès n'auraient pas mieux valu. Tu ne pensais pas différemment à cette époque, Amy? Comment pourrait-on recouper les informations des notes, des journaux et des interviews? C'est en 1932, à la mort de son père, qu'Aaron Williams a décidé de fermer le Commander pour se lancer dans une toute nouvelle aventure, le Revenge. Son titre et le nom de son créateur ont d'emblée semblé ne faire qu'un. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de l'avenir du journal? Contacté il y a quelques jours, Aaron Williams a refusé de répondre à nos questions. Le public a-t-il surestimé le fils de Jack Williams? Tu veux bien me dire ce qui s'est passé? Rien de bien exceptionnel. Il y avait ce type à la sortie du bar. Il délirait. Il m'a empoigné et m'a emmené dans la ruelle adjacente. Quelques minutes plus tard, Aaron arrivait. Et cet homme, il t'a reconnu? Tout le monde n'a pas à connaître le Revenge, Scarlett. Aaron s'inquiétait pour toi, tu sais. Il s'inquiétait de ne pas te voir revenir. Si je faisais semblant de te croire, nous aurions tort tous les deux. Thank you.
On a souvent tendance à euphémiser les exploits de Junie. Avant d'arriver au Revenge, elle a sauvé et intégré des centaines d'immigrés. Avec l'aide de son père, bien sûr. Bien sûr. Et à propos d'Alan Doyle, son parcours est assez flou. Il n'aime pas aborder ce sujet. Il est passé par beaucoup de milieux différents dont il n'a pas apprécié l'hypocrisie. Et c'est ce qui en fait un excellent élément pour le Revenge. Quelle a été votre réaction lorsque le Revenge a été attaqué en justice? Cela devait arriver, justement pour que ça ne se reproduise plus. Nous étions préparés à un éventuel procès. J'ai fait confiance à Aaron, et surtout à nos avocats. Mais c'est le soutien public qui nous a sauvés. Et vos proches, vous ont-ils soutenu? Soutiennent-ils le Revenge? Mes proches, mon mari me soutient. Mais il faut bien le dire, le Revenge fait peur. Mes amis, comme ceux de Scarlett et d'Aaron, se sont éloignés. Parlez-nous un peu de votre équipe. Comment l'avez-vous recrutée? Il me fallait avant tout des personnes de confiance. Ma sœur, Emilia, est bien sûr à mes côtés, tout comme deux autres de mes amis d'enfance, Scarlett Appledore et Dimitri Astroff. Lance Eisney, Alan Doyle et Junie Schmidt ont été recrutés grâce à leur réputation. Vous vous êtes entouré de beaucoup de femmes, et certains membres de votre équipe ne sont même pas issus du monde journalistique. Est-ce que ça n'a jamais posé problème? Je n'avais pas besoin d'hommes en costume, j'avais besoin d'une équipe compétente. Il me fallait avant tout des personnes de confiance. Ma sœur, Emilia, est bien sûr à mes côtés, tout comme deux autres de mes amis d'enfance, Scarlett Appledore et Dimitri Astroff. Lance Eisney, Alan Doyle et Junie Schmidt ont été recrutés grâce à leur réputation. Il paraît évident que le Revenge a besoin d'une nouvelle équipe. C'est l'âme du journal que nous questionnons ici. Est-elle partie avec les proches de Williams? Mais tout cela soulève une autre question. Pourquoi? Pourquoi cette démission? La sœur d'Aaron, Emilia également contactée, n'a donné aucune réponse.